qu'est-ce qu'il a se braqué contre nous, lui? Ben ouais, il est fou, lui. Oh, oh, laisse faire. Viens ou pas? Viens ou pas, mon business? Ok. Ah. T'as plus quoi, poteau? Viens. Ok. Putain, j'ai trop faim, là. Faut qu'on fasse le truc. La boulangerie, là-bas? Eh, mais c'est pas dangereux, ça? Mais non, t'inquiète, Batrug. Allez, on y va. C'est un braquage, pas de geste de placer, bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Je ferai tout ce que vous voudrez! Bah, tiens, vas-y, pense tes croissants! Allez, 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 allez! Allez, mets les chaussons pommes aussi! Allez! Et vas-y, donne des violences aussi, non? Hein? Allez. Mais qu'est-ce que tu racontes, sale bolos? Vas-y, passe ta cadeau plus vite que ça! Et fais pas comme si t'as pas vu les Hollywood! Et les carambars, prends-les aussi, les carambars! Allez, allez! Et les malabois aussi, là, prends-les, s'il te plaît! Mais tout dans ça. Ça fait combien? Mais le prix, t'es bête ou quoi? Ça fait combien? Ça fait 80, jeune homme. T'as de la monnaie, gros? Ouais, je crois que j'ai 1€. Ah, j'ai 2 balles, c'est bon. J'ai 2€. 5,50€. On se casse. Vas-y, les mecs, on se bat en français. Mais revenez, votre monnaie. Non, gardez-la, pas de problème. Ils m'ont braqué! Eh ben oui, on se braque contre nous. Alors nous? On braque, mais sans impact. Réellement sans impact? Anière, le 12 mars, Samy, 15 ans. Est tué par une arme blanche entraînant des violences entre bandes rivales, Danière et Gennevilliers. Un couvre-feu a été décrété dans les deux villes pendant 15 jours. Noisy-le-Sec, un jeune de 19 ans originaire de Sartrouville, a été passé à tabac samedi à Noisy-le-Sec. Ses agresseurs, 10, sont en garde à vue, n'auraient pas supporté qu'il sorte avec une fille de leur quartier. Sceaux, 6 personnes ont été mises en examen pour violences volontaires après qu'une adolescente de 14 ans a été rouée 2 coups vendredi soir à Sceaux. Ses agresseurs lui auraient donné rendez-vous via Facebook. Vraiment sans violence? On ne peut pas faire plus que dans l'actualité. C'était le groupe numéro 81 dans Braquage. Le thème qu'ils avaient choisi, leurs préoccupations, et ils nous viennent du CFA de la peinture GPPF Formation à Pantin. La mise en scène est de France Jolie. Ces jeunes braqueurs sont en bac pro aménagement et finition. Les interprètes sont Bastien, Joé, Jonathan et Loïc, que l'on peut encore applaudir.